J'aurais dû te faire payer d'avance, Banner. Vous savez, pour un type qui est censé éviter tout stress, vous avez choisi un drôle d'endroit pour vous faire oublier. Le secret, c'est pas d'éviter le stress. C'est quoi alors? Le yoga? Vous m'avez éloigné du centre-ville, c'est malin. Et je suppose que le bâtiment est cerné? Rien que vous et moi. Et votre copine comédienne? C'est une espionne aussi, elle commence au berceau. Comme moi. Qui êtes-vous? Natasha Romanoff. Vous venez me tuer, mademoiselle Romanoff, parce que ça ferait beaucoup de mal à beaucoup de monde. Non, bien sûr que non. Je suis envoyée par le Shield. Le Shield. Comment ils m'ont retrouvée? Nous ne vous avons jamais perdu, docteur. Nous sommes restés à distance. Nous avons même empêché certaines personnes de vous traquer. Pourquoi? Nick Fury semble vous faire confiance. Je dois vous ramener avec moi. Et si je répondais non? Je vous convaincrais. Et vous feriez quoi si l'autre répondait non? Vous avez passé plus d'un an sans incident. Je ne crois pas que vous ayez envie de rechuter. Peut-être, mais je fais pas toujours ce que je veux. Docteur, nous sommes sous la menace d'une catastrophe sans précédent. Celle-là, je fais tout ce que je peux pour les éviter. Ceci est le Tesseract, un cube cosmique qui renferme assez d'énergie pour anéantir la planète. Qu'est-ce que Fury veut que j'en fasse? Que je l'avale? Il veut que vous le retrouviez. On l'a volé. Sa signature est un rayonnement gamma, trop faible pour qu'on le localise. Personne ne connaît les rayons gamma aussi bien que vous, docteur. S'il y avait eu quelqu'un d'autre, c'est lui que je serais allé voir. Alors Fury n'en a pas après le monstre? Pas à ce qu'il m'a dit. Et il ne vous cache rien? Parlez à Fury, il veut que vous l'aidiez. Il veut me mettre en cage? Personne ne va vous... Arrêtez de mentir! Excusez-moi, c'était un piège. Je voulais voir ce que vous feriez. On devrait régler ça comme des gens civilisés. Vous allez ranger ce truc-là, gentiment, et l'autre ne fera pas de ravage. D'accord? Natasha? N'intervenez pas. Tout va bien. Rien que vous et moi. Ça va beaucoup trop loin.